J'ai trop de vie là. J'ai oublié de répartir mes doses de vie et de magie. Y a rien qui va. Y a encore rien qui va dans cet épisode. Pour changer, j'ai envie de dire. Parce que là... Ah putain, c'est vrai, ils sont costauds. Je sens que je suis encore rentrée dans une zone... Dans une zone qui va être compliquée pour moi. C'est pas le blanc, bah maintenant tu le connais. Le triple blanc. Bon, on n'est pas trop mal. Salut. On va faire les choses dans l'ordre parce que là ça m'a l'air grand par ici. Qu'est-ce que tu me donnes toi, pierre de forge? C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Oh, t'as mis, il y a une forêt souterraine. Ça fait du bien de pouvoir utiliser un petit peu les attaques armées, quoi, enfin le corps à corps. Putain, il y en a qui font de la magie. Alors là, on va pas s'en sortir s'il y en a qui font de la magie. Je sais pas ce qu'il fait, mais il le fait. Ça va m'exploser dessus. Non, ça a explosé sur son pote. Sur son pote, la biscotte. Franchement, heureusement qu'ils sont lents parce que sinon ils feraient vachement de dégâts. Bon, il y a l'autre là qui m'emmerde avec son... Va lui foutre un coup de pierre dans la tronche. Attention. Viens là si tu l'oses. Viens là si tu l'oses. Putain, ils font tous de la magie. Est-ce que les boules peuvent exploser sur leurs potes? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Ça n'a pas l'air de les atteindre. Oh non! Bon, je vais redistribuer mes trucs, on se retrouve tout à l'heure. Ils font des gestes tellement bizarres que j'arrive pas trop à anticiper. Je suis jamais allé aussi loin dans le truc. Hein. Je tiens à vous le préciser. Allez, grosse attaque. Voilà. Je m'en fous des pierres arc-en-ciel, sérieusement. C'est quoi ce délire, quoi? C'est quoi ce délire? J'ai bien cru que ça allait m'exploser la tronche. Attention, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? T'as plus de magie. Enfin. Mais enfin. Voilà, c'est ça qu'on aime. Putain, lui, il est vachement résistant. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Oh. Oh, non. Remets-toi de la vie. Lui, il fait très mal. Putain, j'ai déjà plus de vie. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je veux pas prendre le risque de m'approcher trop près de lui là. Je sais pas à quoi ça sert cette herbe de rosée là. Il y en a de partout, 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 partout. S'il y en a de partout, c'est bien que ça doit servir à quelque chose, non? Par contre, moi ce qui m'intéresse grandement, c'est le muguet fantomatique. Alors là oui on aime. Qu'est-ce qui nous cache là-bas? Il nous cache des choses. C'est quoi cette réunion en bande organisée?
encore cette voix. Non, mais ils sortent d'où? Ils sortent d'où? Ils sortent d'où, sérieux? Franchement, c'est pas grave, hein. Si on doit tous se les faire, pas de soucis. Moi, je suis au taquet, là. Je sors d'un combat rénalesque, alors je suis au taquet. Certes perdu, mais quand même, j'ai acquis des réflexes et tout que je n'avais pas avant. Ta gueule. Ta gueule où je dis tout à ta maman. Pourquoi lui, il a rien? Ils ont cru que j'allais pas voir ça sous la fontaine. Ah bah merde, du savon. Le jeu est en train de me dire que je pue. En même temps, ça fait combien de temps que j'ai pas lavé mes vêtements? Faut aller où là? Faut aller en haut, non, je pense. Ouais, je pense qu'il faut faire d'abord ce qu'il y a en haut. Par contre, ça commence à m'inquiéter fortement là de plus avoir de vie, ni de magie, ni rien du tout. Sauvegarde, y'a rien. Ça va pas me servir à grand chose. Ah. Ah si, ça m'a servi à me remettre de la vie, je pense. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais je suis dans le gros caca. Il faut que je me... Il va me suivre. Jusqu'où il va me suivre son truc? Je peux même pas esquiver. En fait, faut que je cours. Faut que je cours jusqu'à la prochaine. Voilà. Attention. Attention. Bon, vous savez quoi? Vous savez quoi? Je crois qu'on va les esquiver. Oh putain, j'ai failli tomber. Salut les potes. Voyure, sans rancune. Allez hop là. Une patte de volaille. Ouh, qu'est-ce que je m'en fous de ta patte de volaille, vite avant qu'il s'envole. Non, reste là. Si je sais faire, hein, bulle d'oracle. Putain, je laisse des cadavres derrière moi, c'est impressionnant.
Si je sais faire le crabe. Ça devrait suffire. Putain là. C'est vraiment un enfoiré ce type. Voilà, c'est bon.
C'est que je sais pas où je dois aller. Merde. Tu l'aimes pas ta hache, hein? Il aime pas sa propre hache. En fait, je vais sûrement dire de la merde, hein. Mais j'ai l'impression que cet endroit, c'est plus pour...
J'ai même pas besoin de me faire les autres parce qu'ils me voyaient pas. Pas le roi, le quoi. Ils sont pas les steaks. Allumez le feu. Ok. Ok, 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 ok. Vous savez quoi? On va faire les choses dans le sens inverse.
je vous jure, c'est la première fois que j'ai le vertige dans un jeu. Vous pensez que je peux me balader là-haut sur les des colonnes et tout? C'est bien beau tout ça, mais comment je fais maintenant? Chier avec leurs flèches. Remets-toi un petit peu de vie. Et c'est reparti. Non mais... Même les cerfs, ils m'attaquent. C'est lui qui a un arc. Ah, mais je peux avoir plusieurs gens avec un arc. Mais c'est trop cool. Eh, franchement, là je découvre une arme.
pense que ça va me mener là-haut, mais j'ai pas fini en bas. Je préfère faire les choses dans l'ordre. Ouais, on va redescendre par là plutôt parce que de l'autre côté, j'aime pas trop quoi. Il y a trop de méchants. Oh, il y a une tortue. C'est bizarre. Casse-toi d'ici, vite fait. Bon, bah j'aurais utilisé mon truc pour rien, c'est pas grave. C'est pas grave. Oh, de la sauvegarde. Oh. Mais ça, c'est génial. Je suis pas sûre que je puisse faire ce truc en un épisode. Se le faire en plusieurs épisodes, non? En deux épisodes. Oh, il y a quelqu'un qui est mort. On sait pas comment, on sait pas par qui. On va faire tout ce qui est à terre. Et après, on verra en haut. En haut, ça fera peut-être un deuxième épisode. Ça. Même si le deuxième épisode est plus court, c'est pas grave. Et un gros crabby. Ah putain, non. Je vais vers un boss là. Un arbre majeur ou je sais pas quoi. Ils ont tendance à taper du pied devant leur boss, non? Enfin, devant un arbre mineur. Sauf si je me trompe. Sélectionnez par toi. Putain. Putain. Je suis trop lourde, je suis trop lourde. Il est où? Faut que je tire avant lui. Non, il avait pas tiré. Le bâton. Putain, mais sélectionne-le. Sauf de...
Ok.
Regardez-moi cette vicieuserie. Plus qu'une flèche.